Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo concernant ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'avais déjà fait une vidéo concernant les cours par correspondance, donc sur les réseaux, où je disais que je n'étais pas contre, bien au contraire, il faut savoir vivre avec son temps, donc on peut effectivement avoir recours à ce genre de choses. Mais, et oui, il y a un mais pour moi, mais à condition d'avoir déjà un professeur en chair et en os. Parce qu'à force de vouloir taper dans le virtuel, on va en oublier l'essentiel. Une transmission ne se fait que d'un élève vers un professeur et d'un professeur vers un élève. Il y a une relation. Le professeur apprend de ses élèves tout comme l'élève va apprendre de son professeur. Pourquoi le professeur va-t-il apprendre? Eh bien parce qu'il va apprendre à s'adapter. Tout individu est différent. Une vidéo ne s'adresse qu'à une majorité de personnes. Elle ne va pas affiner en fonction de la personne. Donc oui, vous pouvez avoir recours à ces vidéos, bien évidemment. Encore faut-il avoir quelqu'un qui puisse éventuellement corriger les erreurs que vous allez réaliser. Et puis on dira ce qu'on voudra, mais tout apprentissage, il doit y avoir un professeur. Nous devons être accompagnés et ça évite pas mal d'erreurs. Récemment, je voyais une vidéo où un professeur, en tout cas quelqu'un qui pratique les arts martiaux, montrait certaines techniques. Jusque-là, tout va bien. Là où ça me dérange, c'est qu'à partir du moment où on commence à montrer des frappes qui deviennent létales, je me pose la question, à qui s'adresse-t-on? Il fait remarquer dans sa vidéo que ce type de mouvement s'adresse à des avancés ou à des gens dits spéciaux dans certaines catégories. L'armée, les gens de la sécurité, etc. Le problème, c'est que cette vidéo va se retrouver sur YouTube et n'importe qui peut aller regarder cette vidéo. Alors que des vidéos existent pour le côté le travail technique, pas de problème. Mais à partir du moment où on commence à montrer des choses qui vont enlever la vie, je me pose effectivement la question de l'utilité de ce genre de vidéo. On peut bien évidemment apprendre ce genre de choses, mais pas en vidéo, mais dans un club où vous connaissez votre élève et vous savez que vous ne vous adressez pas à un psychopathe, ou en tout cas quelqu'un qui peut le devenir. D'où l'importance d'être accompagné dans ce genre de discipline. Beaucoup de techniques ne sont pas anodines et laissées dans les mains de quelqu'un qui n'a pas d'accompagnement, eh bien cela peut être dangereux. Combien y a-t-il d'enfants qui vont jouer en voyant ce genre de vidéo et qui peuvent très bien se donner le jeu en disant « j'ai vu ça et on va le tester ». On a déjà connu ça dans les cours d'école où on venait s'étrangler avec des formes d'étranglement qu'on peut voir d'ailleurs dans le jiu-jitsu brésilien, en MMA ou au judo. On sait que la tentation avec des techniques dites dangereuses, ça donne envie de les tester. Donc, à mon sens, les vidéos, les cours par correspondance ne doivent être qu'un support, un moyen, une alternative. Par exemple, nous avons eu un confinement. Donc là, effectivement, ça peut se comprendre. On peut avoir besoin de continuer de s'entraîner et d'avoir des vidéos par correspondance. Ça peut avoir son importance et c'est tout à fait compréhensible. Mais il faut, et je le redis absolument, être accompagné et avoir un vrai professeur. Il ne viendrait pas à l'idée, dans toute relation où il y a un apprentissage, de par exemple ne pas avoir de parents. On ne va pas apprendre l'éducation à travers des vidéos de pseudo-parents, parce que dans l'éducation, il y a des choses beaucoup plus importantes qu'on ne croit, ou en tout cas qui ne sautent pas tout de suite aux yeux. Mais toutes les valeurs, les respects, les vertus qui peuvent y être enseignées, garder une certaine rectitude, tout ne peut pas se faire. La bienséance. Et nous ne sommes pas que des consommateurs. Les arts martiaux ne doivent pas faire des gens consommateurs, mais bien des gens maîtres de leur vie, et donc ils vont se déplacer. Ils prennent la responsabilité de prendre du temps, d'aller dans un cours, d'écouter, d'apprendre. Et le professeur, lui, va pouvoir adapter son enseignement. Il va donner un cours général, mais en attendant, il y a des individus différents et en fonction de ces individus, il va pouvoir donner des exercices différents à chacun pour que la compréhension soit plus facile. Chose que vous n'aurez jamais dans une vidéo. Et on ne devient pas pratiquant avec des vidéos. Les vidéos doivent servir simplement d'un aide-mémoire, d'un bloc-notes, d'un outil supplémentaire, mais en aucun cas remplacer un professeur. Et en ce qui concerne les contenus dits un petit peu sensibles, y a-t-il vraiment besoin de montrer que les arts martiaux peuvent tuer à coups de couteau, à coups de sabre? N'y a-t-il pas d'autres valeurs à prôner dans les arts martiaux? Oui, évidemment, tout cela peut se faire. Bien évidemment qu'il est facile de faire du mal à l'être humain. Mais faire le mal est donné à tout imbécile.
Faire le bien demande une certaine compassion et un certain travail sur soi pour aller un peu plus loin. Alors ne choisissons pas la facilité, allons vers les choses belles et non pas médiocres. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Zaijian.